Wow! Ah, Canada! En travaillant la nuit. Bon, ben, debout, 15h. Il y avait du monde de partout. Trois quarts d'heure après, ça avait un peu plongé. C'est de retour là, d'après ce que je vois là. Et là, je suis à nouveau en route pour le pro. Ce coup-ci, du côté, d'autre côté de Bordeaux. Les 73-51 tous, 14 km, 33-01, Rémi, Dandy 33. C'est toujours pareil. Il a bien dit Guatemala? Je sais pas. Attention le Québec-Canada, attention le Québec-Canada pour 14 km, 33-01, Rémi Dandy 33 là s'appelle. Je suis pas sûr que ce soit la bonne direction. Ouais. Pas sûr que je les entende. Ah, il y a un convoi exceptionnel devant. Silence radio. Ah non. For Dandy 23. Bon. Allez, j'ai assez fait d'anglais pour aujourd'hui.
qu'à la 19. Je verrai ça tout à l'heure en arrivant du côté de Bordeaux. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel à mobile depuis le sud-ouest France, département de la Gironde. Zut, il y a un QSO. Oh oui, pas grave. Placer un appel. Il n'y a pas 50 solutions, il faut se jeter dans la mêlée. Il n'y a que ça à faire. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde, dans les environs de Saint-Émilion. Mon appel a peut-être été un peu trop long. Et en plus, j'ai pas donné de QSY. C'est pas bien ça. Brésil. Est-ce que le Québec-Canada est en fréquence? Normalement, non. Il est en plein chantier chez lui. Pas fini de travail, pas touché le micro. Des fois, quand ça démange, ça démange. Le micro, on va l'attraper. Et les 5-10 minutes qu'on va passer au micro se transforment facile en 3 heures. Bon, il a bien raison. Hein. Le boulot d'abord, le plaisir après. Surtout quand c'est pour soi. Thank you.
qu'est-ce que j'ai vu sur le forum la BATB francophone, je crois qu'il y en a qui ont eu la Hollande, je crois, ou la Norvège. Ah, je sais plus. Quelque chose par là, nordique. Bon, pour ceux qui cherchent le forum, le lien est là, sous la vidéo. Boyland, je crois. De saison, ouais. Ah, oui. Certains diront qu'il est peut-être temps de planter, de faire des plantations, des arbres, tout comme ça. Je sais pas, je connais rien, mais bon. C'est ce que je ferai en tout cas. Pour que ça se fasse ses racines tout l'hiver. Bon allez, là ça va toujours c'est toujours à fond. Rien à voir d'autre pour prendre la moto. Là. Je la laisse de côté, là, la moto. Je suis au bon endroit. Ce monde qu'il y a sur la route. Et 73-51 des stations en fréquence de la part de Dindy 33 du plus haut du pont d'Aquitaine. Alors côté circulation, il y a du monde, c'est chargé, mais c'est du cuir ou dans les deux sens.
Ah ça y est, il est là, il est là, il est là. Les 73-51, toi, le coyote de Codiron. Incroyable, il se souvient de mon prénom. Il a dû se le trouver sur le front. Comme ça, il regarde le genre sans rétroviseur, il se dit « Ah, je m'en souviens !» Excellent. Ouais, non, mais c'est vrai que côté mémoire, je suis pas top, hein. C'est déjà à la construction, à la fabrication, il y a eu des barrettes de mémoire qui ont été oubliées. Et puis ça s'est pas arrangé par la suite. Hachi. Tu te souviens quand même des 5000 euros que tu me dois? Ah, c'est marrant, non, ça je m'en souviens pas du tout. Ben voilà, c'est toujours pareil. Je veux encore me faire escroquer, j'en ai marre alors. Hein. Et donc, c'est pratique quand même de me avoir de tête. Hein. Excellent. C'était pas plutôt l'inverse, non? Je croyais que c'était 50 000 que tu me devais, quoi. Ouais, Ah putain, vu, attends, j'ai du mal à te recevoir, là, j'arrive en bas du pont. Hein. Là, la moto, même pas en rêve. C'est ce que je me disais justement tout à l'heure. J'ai là, putain, là, pour prendre la moto, il faudrait ne rien avoir d'autre. Hein. Putain la vache, quel temps. Hein. Bon, c'est un temps de saison, là, maintenant. Hein. Bon, je m'en vais sur Mérignac, hein, donc là, je vais me rapprocher. Je m'en vais comme avant-hier, là, pareil, même endroit, même punition. Et si c'est comme... et si la nuit se passe comme avant-hier, eh bien, je vais être sacrément tranquille là, durant toute la nuit, quoi. Là, ça passe plus. Bon, là, pour le moment, ça passe plus. Ça, je m'y attendais. À chaque fois, dans la zone, la première sortie en bas du pont d'Aquitaine, c'est toujours très, très compliqué de ce côté-ci. Là. Puis après, ça remonte. Alors, là, il faut couper des bouts, là. USA qui passe plus fort derrière. Là, moi j'ai l'Alfa Lima derrière quand même qui est branché. Hein. On remarque qu'avec l'Alfa Lima ça me permet de moins sortir au niveau du poste. Je préserve le poste. Je préserve la planète. Pouah, là j'ai dit une connerie. Là. Oh, dans l'autre sens, il y en a un dans le sens intérieur, il y en a un qui vient de se faire flasher là. Il y a eu un joli éclair là d'un seul coup là. Alors le flash il est quand on est dans l'autre sens ou si toi après les stations totales qu'il y a après le lac. Donc avant le lac pour mon côté quoi. Quoique j'ai intérêt à me méfier parce que s'il y a un vrai radar dans l'autre sens, de mon côté, il y en a certainement un aussi pas loin. Ah, ça y est, je suis en train de passer sur le pont. Putain, oui. Et voilà, là, tu repasses à nouveau comme il faut. C'est nickel. Bon, ben, j'espère que tu as prévu la savonnette, le shampoing et tout ce qui s'ensuit. Parce que vu la météo qu'il fait, là, ça va être l'occasion de prendre ta douche annuelle. Ah ben pour le pulvérisateur, je peux te dire qu'il est bien là le pulvérisateur. Tu mets le nez dehors et tu vas le voir le pulvérisateur. Ah ça c'est sûr. Bon effectivement l'eau doit être un peu froide. Bon, là, je sais que tu es en train de parler derrière, mais il y en a qui sont plus forts que toi, visiblement, sur la module. t'as pas assez de grande gueule encore, là, pour arriver à passer par-dessus. Ouais, il y a un bourrois d'Américains, je ne sais quoi, là, derrière.
Waouh, ça fait une espèce de cacophonie, ça fait une espèce de ratatouille, de mélanger à de la mayonnaise, mélanger à du ketchup, plus du McDonald's, plus je sais pas quoi. Et tu vois le poids que ça donne de mon côté. Par que quoi, chez toi, ça n'a pas de mal non plus. Hein. Bien compris, tu m'entends avec une radio de 3, ce qui m'étonnerait pas. Et là, de mon côté, tu verras, hein, je suis en train de faire une vidéo, tu vas rigoler. Quoi. Il va se dire, mais comment il fait pour entendre quelque chose? Ben, franchement, je sais pas. Est-ce que j'ai fait une vidéo porno? Ah oui, tout à fait. Hein. C'est... Ah oui, là, elle est 100% porno, là, les vidéos. Porno ou porno? Eh bien oui, parce que je vois par exemple les pouches là qu'il y a devant moi, mais ils sont complètement nus. C'est... Ouais, tu verras ça, hein, et ils sont complètement nus là, oui, c'est du porno. Hein. Et en plus de ça, je vois bien les trous là derrière. Là. Je vois bien par où faut que ça passe. Je parle des pots d'échappement. Là. On a décidément pas les mêmes meurtres. Ah, pas du tout. Mais. Propagation, alors, continuons en profiter de la propagation. Eh bien, tu vois, là, ok, on va essayer de revenir sérieux 30 secondes. Eh bien, là, pas trop en ce moment avec le pro de nuit. Donc, ben, ça va être à chaque fois sur des courts moments. Bon, ben, je me lève à 15h quand je bosse comme ça en nuit, quand je cumule les nuits. Bon, bah évidemment, hein, je fais ce que j'ai à faire au QRA de mon côté et tout ça, tac, patin, couffin, karcher et compagnie. Je me mets sur l'ordinateur pour aller voir les messages, dire bonjour à quelques OM et tout, là, qu'auront envoyé le bonjour ce matin et tout ça, pour répondre derrière et tout ça, c'est la moindre des choses. Voir les messages perso. Idem sur le forum, ainsi de suite, répondre à droite, à gauche, participer, quoi, tout simplement, continuer les programmations journalières sur les réseaux sociaux, à programmer tout ça. Pendant ce temps-là, évidemment, j'ai la station qui est allumée, mais bon, je ne suis pas multitâche, et ben, je fais qu'une seule chose à la fois. Et du coup, c'est vrai que le micro a tendance à rester un petit peu de côté là, à ce moment-là. Quoi. Quoique, ça vaut mieux, puisque à chaque fois, quand je prends le micro, que je suis en train de faire autre chose après, en même temps, je vois le carnage après. Donc, je suis obligé de réparer mes conneries après. J'aurais fait, parce que je me serais planté dans ceci, cela, ainsi de suite. Là, sur l'ordinateur. Mais bon, demain soir je bosse pas, donc demain après-midi je vais me mettre à travailler la vidéo. Ça va être cool, j'ai bien rigolé pendant le montage. Et après j'irai voir les messages et tout, et bien tout pareil comme aujourd'hui, et il n'y a qu'après que je pourrai profiter de la propague, ou plutôt prendre le micro si j'entends quelque chose que j'arrive à digérer, quoi. Enfin, je veux dire en francophone, que je puisse répondre derrière. Parce que là, en ce moment, entre le Big Bang sur le canal 6 et le canal 11, les Américains un peu partout, ceci, cela, ainsi de suite, les pays du Nord, Scandinaves et compagnie, pays de l'Est, enfin bon, bref, tout le tour, c'est une vraie girouette. Mais il n'y a pas grand-chose de français là-dedans. Si, j'ai entendu quelques départements français, mais très furtivement. Voilà, je suis en train d'arriver au station Total qui est à la hauteur de Mérignac. Ah oui, j'entends ça. T'as la vache. Normalement, je suis censé là, te recevoir plus fort, là. Puisque je suis en train d'arriver là à la sortie Martinez, et j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, ça a baissé, ouais, je comprends pas trop là. J'ai pas tout compris, quoi.
Alors Mérignac-Chemalon, voilà. Bon, c'est pas la sortie suivante que je prends là où il y a Buffalo Grill. Mais l'autre d'après, là, Mérignac Aéroport, puis après, tac, direction zone commerciale. C'est de ce côté-là que je vais. Là. Putain, mais alors là, je suis à côté de Codéran pourtant, là, je suis pas loin de Codéran. J'ai pas tout compris. Là. Il y a un truc qui m'échappe. Au fait, qu'est-ce que je fais? Ouais, si, je change de point. Putain, pour un peu, j'allais faire un tout droit direction Arcachon, moi, après, moi. Puis, vu la météo, c'est pas un temps à aller à la plage. Bon, voilà, je suis en train d'attraper la sortie suivante du Buffalo Grill. Voilà, 11B. Voilà. Donc, je suis pas loin de Codéran, là, je suis censé t'entendre plein pot, là. Ah mais attends, j'hallucine. Je suis pas loin de Codéran et je te perds. Il y a un truc qui m'échappe. Ou alors t'es en mobile. Eh ben oui, ça doit être que ça. T'es pas au QRA, tu es en mobile et du coup t'es ailleurs. Bon, de toute façon, là je suis en avance, largement en avance. Je vais pouvoir continuer, là je vais me garer là quelque part. Tiens, je vais m'attraper une route au hasard. Là, dans la zone commerciale, bah ça, tiens, ça me permet de voir si je peux rattraper le site où je vais, par où je vais passer. Je suis au niveau des feux, là, hein, tu vois, là. Et je suis face à la zone commerciale de Mérignac. Voilà, depuis la rocade, avec Honda et tout ça. Quoi. De moustache derrière, aïe aïe aïe. Bon, j'ai entendu le rejumping multi-bip, ça oui. Bon, je suis en plein dans la zone commerciale et tout ça, là je me promène. C'est mais je suis où là? J'en sais de rien, je sais même pas où je suis là dedans. Bon, je m'en fous, de toute façon, je suis en avance. Putain, oui, largement en avance, un peu trop en avance. Bon, je t'ai entendu gazouiller derrière, à moins qu'on aurait dit une voix féminine là sur le coup là. Ah, j'y trois coups. Non, mais c'est que je sais même pas où je suis en plus. Hein. Que je fasse le tour du rond-point, que j'essaie d'examiner ça un peu plus. J'ai aucune idée de là où je suis. Bon, je vais retourner sur mes pas parce que là, moi, il n'y en a pas à connaître là ici. Bon, d'accord, ok. Il faudra que j'explore ça à l'occasion, moi, là, par ici. De retrouver ma route, j'ai pas trop repéré des coups en papotant. Je suis où? Oh, pour le coup, là il va pleuvoir. Ok. Ok, ça y est, j'ai retrouvé, je pense que j'ai retrouvé ma route. Je vais essayer un autre trajet là pour voir. Je suis où là? GDC, chaussures, vêtements, maroquinerie. Masgard, Comera Cuisine. Ah, le roi Merlin. Ok, d'accord.
Bon, ben, je l'ai perdu. Je l'ai perdu en fréquence. Il est où le coyote de Codéran? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, j'étais juste à côté. Ah ben alors là, il y a un tel bois que là, je t'ai complètement perdu. Je sais pas si toi, tu continues à m'entendre. Allez, tac, je suis trop en avance. Je vais aller de ce côté-ci. Bon, c'est bon, il y a une butte là, de ce côté-ci, un peu. On va voir ce que ça donne. Attention, le coyote de Codéran pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh, voilà, je suis sur le parking de la halle aux chaussures. Avec Aubert, Moba, je sais pas quoi. Bon, bref. Easy Cash, tiens, j'ai Easy Cash à côté de moi. Voilà, je suis là, entre la halle aux chaussures et Easy Cash. Bon, là, c'est un petit peu point haut, on va dire. Bon, je suis pas sûr de pouvoir te revoir à nouveau. Là, ça a l'air bizarre. Bon, ben, je te t'en prie. Si toi, des fois, tu m'entends encore, là, moi, c'est foutu de mon côté. Et vu comment, en plus de ça, j'ai l'impression que ça a monté au niveau propag, là, encore un peu plus. Si tu m'entends encore, les bonnes 73-51 à toi. Et ben, tu verras ça dans la vidéo, les conneries que je raconte. Les 73-51 à toi. Et demain matin, je débauche à 7h. Donc, si ça, tu l'as entendu, demain matin, je débauche à 7h. Et puis, ben, on verra bien. Soit on remettra le couvert ou pour le petit déjeuner, bien sûr. Sinon, je te dis à la prochaine et sur la vidéo de toute façon. Bye, bonne soirée à toi. Oh la vache. Ah, pour du QSO local, il faut aller là-bas. Ça passera mieux. CQ, appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, QTH Bordeaux-Mérignac. Bon, avec la soupe là qu'on entend en fréquence, ouais, je suis pas sûr de passer. Oh putain! Oh! Attends, deux secondes. Voilà. Ok, c'est bon, ça sera dans la boîte. Les 73-51, Daniel. Eh bien, je tentais le coup, là, je suis à Mérignac. Je viens bosser cette nuit, bah, comme avant-hier, pareil, là, du côté de la zone commerciale de Mérignac. Ok, putain, super la modulation. Oui, monsieur. Oui, je suis à côté de la sortie 11, dans la zone commerciale de Mérignac.
Et là, à côté de moi, j'ai Easy Cash et la halle. Voilà, moi, c'est un petit peu haut, là, à cet endroit-là. Là, je me suis arrêté, là, sur le parking, parce que je suis un peu trop en avance. J'embauche à 20h. Et bon, comme je ne suis pas très loin, bon, j'en profite un petit peu, là, ici, là, pour moduler. Je te dirai en message perso, là, où je vais, là. Là, je suis vraiment là, tout à côté, là, de QTH Pro, là, où je vais cette nuit. Ok, voilà, ok, bah, écoute, il n'y a pas de problème dans la vie. Comme je t'ai dit, là, je m'en vais au club ce soir, hein. Voilà, c'est un bilac, donc je vais me rapprocher, donc ça va, ouais, parce que même c'est un bilac marinien, que ça devrait, je devrais te faire du cul aérien, voilà. Oui, j'ai entendu la semaine dernière, Yves, 79-10, ouais, la semaine dernière, 79-10, j'étais en mobile, malheureusement, avec les QRM mobiles et tout, là, aux alentours du QRM, là, c'était pas évident du tout, hein, ouais. Voilà, donc, c'était bien lui, puisqu'il m'avait laissé un petit message sur le groupe, je crois, ouais, c'est ça, hein, et je lui avais répondu, voilà, donc, ça passait, c'est petit, mais ça passait, donc je l'ai entendu, mais je crois que Yves, c'est le QRM papa d'Hélène, il me semble, à 79-10, opérateur Yves, il me semble, hein, voilà, si je ne me trompe pas, voilà, Rémi, retour. Ok, merci pour le retour. Alors là, comme ça, j'ai pas la liste sous les yeux, je pourrais pas te dire. Mais peut-être, ouais, ouais, c'est possible. Hein. Alors là, toi, tu me fais du 55+. Voilà, alors 5+ pour la radio, ça marche super bien. Et en signal, toi, c'est du Santiago 5. C'est ouais, voilà. J'ai pas la liste sous les yeux, faudrait que je regarde ça, je sais pas. Peut-être, ouais. Ben, si tu le dis, t'as une meilleure mémoire que moi à ce niveau-là, largement. Ouais, ça doit être ça. Alors toi, j'étais étonné d'avoir quelqu'un là sur la fréquence, parce que vu le brouhaha qu'il y a derrière, ben, faut vraiment être en QSO local, là, comme ça, pour arriver à passer. Ouais, mais écoute, moi tous les jours, ben, j'y suis quand je débranche, bon, pas tous les jours, mais enfin, moi, régulièrement, quand je suis en mobile, je l'appelle sur la fréquence, hein. Je l'appelle sur la fréquence pour voir s'il y a du monde, tout ça, hein. Et voilà, donc tu vois, ce soir, ben, c'est tombé que tu sois à côté du cœur, hein. C'est pas mal de la maison, quoi, et puis en plus, comment je me dirige, pas peu loin, enfin, pas peu loin, je m'en vais en direction, on va dire, puisque je tournerai bien avant. Mais enfin, bon, voilà. Ouais, là, au dernier passage, je venais de regarder, là, c'était du 56 pour toi, là. Hein. Oui, mais 56 en mobile, là, je suis au niveau, là, des résidences, là, hein, au niveau des résidences d'IP, là, du site défense, là, qui est à côté de chez moi, là. Voilà, et là, je n'ai pas tardé d'arriver à la poudrerie, là. Ok, d'accord. Ben toi, juste avant là, sur le pont d'Aquitaine, voilà, j'ai fait comme d'habitude, hein, là sur le 19M et tout ça, j'ai eu le coyote de Codéran là en fréquence, et je l'ai perdu. Pourtant, je comprends pas, à Codéran, je suis à côté, et à moins que lui soit en mobile ailleurs, ce qui doit être à tous les coups, ça doit être ça. Hein. Et du coup, là, en arrivant là, sur Mérignac, je l'ai complètement perdu derrière. Et puis bon, dans la zone, là, c'est même plus la peine, quoi. Donc, en espérant qu'il m'a entendu, je lui ai envoyé le son 1351. De toute façon, je sais très bien qu'il regardera la vidéo là que je suis en train de faire. Je le sais d'autant plus que le dernier coup, le temps d'un instant, j'avais zappé son QRZ. J'avais dit, je sais plus comment, de Codéran, tac. Et il a su me le dire, il a rigolé, quoi. Il a su me le dire en message après sur sur YouTube. Donc là, il va voir qu'il va me dire, bah bravo, là tu t'en es souvenu quand même. Hachi! Et il m'a même dit le dernier là sur le message que tu me copieras 100 fois ça. Hachi 3 coups. Donc là j'étais avec lui là juste avant. Et l'ayant perdu, ben, je suis monté là pour tenter le coup. Et là c'était le premier appel que je lançais sur la fréquence. Ok.
stocké. Moi, le matin, j'ai souvent 33-70. Nickel, de 33-70 au 71. Le petit Michael qui habite sur Mérignac aussi, là. Kilomike, 33-70 au 71. Je l'ai souvent vu le matin. Je l'entends et comme il s'en va du côté de, ben, du côté de par chez toi, là-bas. Donc, on se perd relativement vite. D'accord. Par contre, tiens, puisqu'on parle de kilomètres, 33 quelque chose, il y en a un que j'arrive plus à entendre en ce moment. Je me souviens plus de son prénom ni de la terminaison du chiffre. C'est le jeune qui est sur Libourne. Je sais que la dernière fois que je l'ai eu, il commençait ou il était sur le point de passer sa licence radioamateur. Après ça, il m'a parlé de problèmes au niveau de ses installations, parce que bon, bah, on a en location, en immeuble. Ouais, je crois qu'il devait, il devait y avoir des travaux, refaire les peintures ou je sais plus quoi en extérieur à ce moment-là. Et il avait été demandé justement qu'il démonte ses antennes. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Je sais pas, je me souviens plus du tout de son prénom. Il faudrait que je regarde sur la liste des OM du 33 pour voir s'il y a un prénom de ça ou même un QRZ qui me fasse tilt. Parce que bon, là, ça commence à dater. Là, ça doit bien faire. Oh, je sais plus. Oh non, je peux même pas m'avancer là sur la quand est-ce que je l'ai eu pour la dernière fois. Je me souviens plus. J'ai oublié là. Ouais, j'ai complètement oublié de comment il s'appelle. Ah zut. Je sais plus. Ben, tu verras dans la vidéo. Là il est que je regarde 19h41. Ouais, bon, 19h40. Je te donne l'heure comme ça là de suite, 19h40, pour que tu puisses, quand tu verras la vidéo là, que tu puisses pousser, on va dire, jusqu'au moment où ça te concerne. Voilà, que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, oui, la modulation est super bonne. En plus, ce qui est bien avec ce micro, c'est que, bon, vu ta voix, il est bien adapté, quoi. Il va très bien, là, vu ta voix. Par contre, quelqu'un qui aurait une voix sourde,
Eh bien, c'est pas du tout le genre de micro qu'il lui faudrait, parce que c'est pas un micro préampli. C'est un micro DSP, donc, comme tout micro, on choisit le micro à sa voix et pas l'inverse. Hachi. Bon, je suis en train de papoter, là. Il va falloir que je me bouge quand même, que j'y aille, que je m'approche un peu. Je t'ai envoyé 73-51, Daniel, et très, 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 très content de t'avoir eu en fréquence. Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu en fréquence. Donc oui, très content de t'avoir en fréquence. Les 73-51, également à toute l'équipe au Radio Club, 212 QIRA. Et je te dis à la prochaine, Daniel. Oui, ok, vas-y, écoute, je passe le bonsoir. Hein. Je passe le bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est surtout à l'OM que tu connais bien. Voilà, qui nous ressemble un petit peu. Hein. Voilà. L'OM qui prise de l'intérieur. La famille Pascal. Je lui passe bien le bonjour aussi à toute l'équipe. Mais écoute, oui, c'est vrai qu'il y avait un petit moment quand on s'était pas eu en radio, mais oui. Hein. Voilà, mais écoute, je vais te dire pourquoi je vous ai tenu. Voilà, moi je reprends samedi à la cité du Vel là-bas. Hein. Il y a encore une prestation là, si tu veux, un séminaire. Voilà, donc de 14h à 21h30. Je vais pas m'embêter, je vais y aller à 21h30 parce que. Merci pour le retour, tout ça retourné et à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ça c'est génial. Une station en fréquence pour Dindy 33 qui l'en s'appelle, depuis Mérignac. Attention, le coyote de Codéran pour Dindy 33. Il est resté coincé sur la couette. Attention, la belette pour Dindy 33 qui t'appelle. Bonjour, c'est Dindy. Eh, il est 73-51 la station. Votre invité de monsieur Nolan. Ah, te revoilà. Bah tiens, je viens juste d'attraper la rocade. Les 73-51 retournés. Ah, je repars du dépôt, faut que ça détonne un peu les gros repas. Ok, d'accord. Eh bien, tu vois, là, je sais pas quand je reviendrai là sur le secteur. Là, j'ai appris hier soir que l'entreprise que je devais surveiller la nuit, ben là, ils ont terminé ce matin.
Donc là, ben, quand est-ce qu'on ne s'attrapera en fréquence, je ne sais pas. Ça sera bien de loin, peut-être, si tout passe bien. Oh oui, mais bon, j'ai ce qu'il faut dans le push pour passer. Hein. Ouais, mais bon, ça ne va pas trop mal non plus, alors ça devrait le faire. J'imagine. Bon, en tout cas, là, on est rentré dans un temps de saison, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, ce matin, c'est calme, hein? Oui, c'est calme, mais au niveau météo, là, on est en plein dans un temps de saison. Hein. Ces derniers jours, on était carrément encore en plein été, et puis là, paf, rapidement, on a plongé dans l'automne. Hein. Ouais, mais c'est la saison. De toute façon, il fallait s'attendre un peu. Le jour ou l'autre, ça commence quand même. Ça va faire un peu de bien. Eh oui, et puis bon, vu la nature qu'on a par ici, à un moment donné de l'année, bon, il faut qu'elle passe à comment on dit je trouve pas mes mots ce matin. Ouais. Je veux pas dire en hibernation, mais quelque chose comme ça, quoi. Allez, il y a beaucoup de changements, parce que quand tu vois que t'as des arbres qui refont, il y a encore des feuilles. Et qui fleurissent maintenant alors que c'est pas la saison, c'est pas normal. Hein. Ouais, mais c'est mon cas justement là de mon côté. Hein. C'est et je vois là, le figuier, j'ai un figuier. Hein. Ben tu peux regarder, il y a encore des figues qu'on peut encore ramasser dessus. Hein. Ah oui, mais ça m'étonne pas, c'est ça qui est quand même bizarre parce que ça fait quand même un peu tard. Ben oui, mais bon. Et j'ai un camion qui est en train d'essayer de me doubler par la droite, là, le con. Il a plus de 90, l'enfoiré. Ah, il n'y a pas bon, là. Il n'y a pas bon. Eh oui, il n'y a pas bon. Là, je suis à 92, 93. Et je le voyais qui était en train de me doubler, ouais, par la droite. Ah, ça va être encore hors frontière. En plus de ça, je crois que sur les 1000 pattes, les compteurs ils sont justes hein, par rapport à sur les bouches où c'est 5% de plus. Hein. Ah, normalement, ouais. Normalement, mais bon. Oui, oui, non, mais après le reste ça me regarde pas. Mais bon, c'est ce que j'avais entendu dire justement au niveau réglage. En priori, ouais, oh, t'es en train de t'éloigner de moi, je suis en direction du pont d'Aquitaine. Là, et je vois, là, je t'entends encore, hein, mais bon, ça commence à devenir QRP. Ah, oui, ah, on s'est peut-être croisé à un moment donné, alors. Puisque, alors, attends, que je vois ça, je suis en train d'arriver à la sortie 7, à la sortie de Bousca. Voilà, en direction du pont d'Aquitaine. Ouh, là, je t'ai entendu vraiment trop QRP. J'ai entendu une roturbine derrière. Bon, ben là, ça touche à la fin. Les 73-51, bonne journée à toi et à la prochaine. Merci, ciao, ciao. Bon alors, le coyote de Codéran, est-ce que tu es enfin levé, t'es sorti de la couette ou t'es encore resté coincé dessous? Ouais, t'es resté dans ton terrier, ça c'est clair. Ah oui, c'est comme il dit, c'est calme.
pas dire que je sois très gêné par les QRM. Et 73-51, les stations fréquences de la part de Dindy 33, du plus haut du pont d'Aquitaine. Alors, côté circulation, ça commence à bouchonner là dans le sens de la descente. Et dans le sens de la montée, c'est tout cuiron. Bonne journée à tous. Allez, 73-51, station, je t'ai entendu là dans les QRM. Et 73-51 de la part de Dindy 33. Là, je t'ai complètement perdu. Hein. Là, je suis sorti du pont d'Aquitaine. Là, je suis à la hauteur de l'Ormont. Je t'ai complètement perdu. Là, bonne journée. Faudrait pouvoir s'arrêter sur le pont. Ah, trop petit. Ah, mais ce serait pas mon ami Colibri. C'est bien possible que ce soit Colibri. Si c'est toi, les 73 retournés.